Deuxième marche du podium, Johan. Ah oui, deuxième marche du podium, ils nous viennent de Tahiti, précisément de l'île de Mo'orea. Tuaiva Nui Va'atelevao, c'est l'équipe de Mo'orea de Tahiti. 3h48 et 18 secondes. Avec Bruno Tohino, grand champion de Va'a, et bien sûr son fils, Tuaiva. Le capitaine de cette belle équipe. Ancien de Mo'orea. Oui, alors vous avez une très très jeune équipe. Et là, ils n'ont pas froid, là, on dirait. Allez, on applaudit des fois. Deuxième de cette première étape. Et enfin, sur la plus haute marche du podium, prennent la première place donc de cette première étape, première place également au classement général. Oui. Belle victoire de l'équipe de Toumalava. Toumalava. 3h42 minutes et 52 secondes. Ils étaient troisième l'an dernier pour la 12e édition de la Vendée Va'a. Et là, ils ont frappé très très fort aujourd'hui, Johan. Ah oui, nous avons impressionné sur l'eau. Tamatoa, notre consultant sur l'eau, a été impressionné par leur fluidité, leur cohésion d'équipe. Et puis, quand on a bien vu quand ils sont arrivés, c'est comme s'ils n'ont pas vraiment beaucoup la main. Vous ça. Avez vu. En tout cas, belle victoire, belle première passe sur cette première étape. Encore deux étapes, demain 26 km, après-demain 55 km. Mais là, avec presque plus de Français, Sarah Terry, Tommy Hawk, qui sont venus exprès de Paris pour venir ici pour cette célébration. Applaudissements, mesdames, messieurs. Ouais. Et Miss les Sables d'Olonne. Ilona. Ilona. Qui a presque un prénom polynésien. Ouais. Presque. Voilà, applaudissements pour nous, champions. On rappelle le podium. Troisième place pour Toulon Va. Deuxième position pour Tuaiva Nui Telebo. Et enfin, sur la plus haute marche du podium, on applaudit très très fort. Toumalava. En tout cas, 11h, on peut faire un peu la grâce matinée. Avec demain, et ça je m'adresse à tout le public.